à tous et bienvenue dans ma vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va faire la partie 2 de l'entraînement au casaque de vélage. La partie 1 consistait à habituer les animaux au plastique en liberté, sans forcément aller les toucher et sans forcément manipulation. Dans la partie 2, nous allons habituer les animaux à être touchés et à des manipulations, tout en portant la casaque de vélage, enfin du moins un poncho qui simule la casaque de vélage. Ma casaque de vélage, enfin mon poncho, au milieu des animaux pour voir leur réaction. Visiblement, ils sont pas perturbés. Allez, on continue, on enchaîne. Les accessoires indispensables, la brosse de grattage et la banane avec des récompenses alimentaires. Je vais commencer par circuler au milieu des animaux tout tranquillement, sans générer de la peur. Les animaux ne fuient pas à mon approche et ne font pas des gros écarts qui pourraient me mettre en danger. On enchaîne avec des contacts et des touchés beaucoup plus à proximité de l'animal pour observer son comportement et l'acceptation du plastique. Je tente un niveau au-dessus. On va tenter de mettre une corde en licol tout en portant le poncho. On est parti ? On est parti.
étape de la corde, validée. Comme dans tous les troupeaux et comme dans toutes les classes, il y a des individus qui ont des niveaux supérieurs d'apprentissage que d'autres. Le but, c'est de s'adapter à l'élève qu'on a en face de nous. Des animaux plus facilitants, forcément, on ira plus vite. Des animaux un peu plus peureux, il faut s'adapter et rajouter plus de grattage ou plus de récompenses alimentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je suis en train d'enchaîner sur une nouvelle vidéo et sur de nouveaux exercices pour le passage dans le couloir de contention. Regarde. Tout le monde me suit naturellement dans le couloir de contention. Bon, dans la cage de contention. T'es bien là? J'adore. J'adore quand je les vois faire leurs petits exercices comme ça, en toute liberté et en toute décontraction surtout. Elle est bien là. Elle est bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez, bien sûr, likez, partagez, commentez. Je vous dis à dans une semaine pour une nouvelle vidéo du dimanche. Salut !